Le palais de l'émir du Koweït accueille pour la première fois de son histoire un président ivoirien. Et ce grand honneur revient au président Alassane Ouattara, qui jouit d'une grande notoriété dans les monarchies du Golfe. L'émir du Koweït, son Altesse royale, le cher Sabah al-Hamad al-Jaber al-Sabah, depuis son accession à la tête de la dynastie al-Sabah, demeure le ciment national. Le Koweït, tout comme la Côte d'Ivoire, est l'un des 10 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU et membre de l'Organisation de la coopération islamique. L'émir cher Al-Jaber al-Sabah est le 15e dans la succession après le cher Saad al-Abdullah al-Salem al-Sabah. C'est cet État pétrolier de 4,2 millions d'habitants qui tire l'essentiel de ses revenus de la production pétrolière et des investissements réalisés à l'extérieur qui ont permis à la population de bénéficier d'un produit intérieur brut par habitant dépassant les 13 millions de francs CFA qui accueillent avec faste le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Le chef de l'État se voit décerner la plus haute distinction honorifique du royaume par son Altesse royale, l'émir du Koweït. Le président ivoirien élève à son tour le cher Sabah al-Hamad al-Jaber al-Sabah au rang de Grand Croix de la République de Côte d'Ivoire, la distinction suprême en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont ensuite le temps de magnifier l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Le Koweït qui a décidé en 2013 d'ouvrir une ligne exceptionnelle de crédit de 2 milliards de dollars au profit des pays africains. Un royaume qui contribue significativement au développement de la Côte d'Ivoire à travers le financement de 6 grands projets de 1999 à 2018 dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures routières, de l'équipement en matière d'approvisionnement en eau potable, de l'électrification et de l'éducation à hauteur de 58,4 milliards de francs CFA grâce au fonds Coétien. Nous venons d'avoir des échanges très approfondis avec son Altesse royale. Et nous avons, vous savez, pour la première fois, la visite d'un chef d'État de Côte d'Ivoire au Koweït. Et nous considérons que c'est une grande marque d'honneur pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour ma modeste personne. Nos discussions ont porté sur la situation bilatérale, mais également le Koweït et la Côte d'Ivoire sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc nous avons fait un tour d'horizon sur les grands sujets de l'heure. Et bien évidemment, nous avons parlé de coopération bilatérale, et notamment un certain nombre de projets dans le domaine social que nous avons présenté à son Altesse royale pour financement par le Fonds Coétien. Et je suis heureux de dire que ces projets sont importants pour notre programme de développement et nous avons reçu des échos très favorables. Et nous avons également vu comment le secteur privé coétien pouvait s'intéresser à la Côte d'Ivoire. Et la Chambre de commerce a promis d'envoyer une mission bientôt parce que vous voyez, nous produisons du cacao, nous produisons des noix de cajou, de la banane et ainsi de suite, mais il faut les transformer maintenant. C'est donc ce que nous recherchons, que tous ces produits puissent être transformés localement. Et là, nous avons de bonnes perspectives. Et je me réjouis de cette visite qui a été non seulement fructueuse, mais également très amicale. 5 nouveaux projets soumis au Fonds Coétien, d'un montant de 300 milliards de francs CFA, vont enrichir cette coopération économique. Ils concernent le reliquat de financement de la baie de Cocody, la construction d'un CHU à Abobo, et de 7 lycées et d'un collège de jeunes filles avec internat. Le gouvernement du Koweït et le gouvernement de Côte d'Ivoire ont signé 3 accords, dont le plus important porte création d'une commission mixte de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït. Le président Alassane Ouattara a rappelé l'objectif prioritaire de faire de la Côte d'Ivoire, à l'horizon 2020, un pays émergent grâce notamment à l'appui du Fonds Coétien, pour un partenariat renforcé dans le domaine du financement des projets publics, de même que le renforcement du partenariat entre les secteurs privés des deux pays. Le président de la République a invité l'émir du Koweït à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire.